Ah, je pense que la Guinée ne sera pas dans les favoris à la CAN, ça c'est une évidence. Il y a à l'heure actuelle des très grosses équipes qui étaient à la Coupe du Monde pour l'essentiel. On pense d'abord évidemment au Maroc et au Sénégal qui sont allés en huitième de finale. Enfin, le Maroc a été en demi, mais je veux dire qui ont passé la phase de groupe à la Coupe du Monde, ce qui est un autre niveau que ce qu'a montré jusqu'ici la Guinée. Donc on ne peut pas penser que la Guinée sera favorite en Côte d'Ivoire, mais elle peut jouer un rôle d'outsider intéressant et pourquoi pas se glisser. Parfois, il y a une équipe qui se glisse comme ça jusqu'en demi-finale et qui crée la surprise à la manière du Burkina, par exemple, la dernière fois. Ça, je pense que c'est à la portée de la Guinée, qui pouvait peut-être d'ailleurs le faire en 2021 au Cameroun. C'était pas infaisable. Voilà, bah après, c'est un tournoi hein, avec les aléas que ça comporte. Il faut gagner le match quand il faut et quand il vous échappe, bah le résultat n'est pas le même.